3. Yatatu. Garder l'amitié malgré le retard de la promesse. Kuchunga urafiki ingalau ahadi inakawia. C'est un point très important. Ni jambo la muhimu sana. Je vous ai dit ceci. Niliwaambia hivi. Écoutez-moi mes bien-aimés. Musikie wapendwa wangu. On l'a appelé à quel âge? Walimuita akiwa na miaka gani? Ça revient, c'est une chaîne. Inarudia maana ni mkufu. Et mon peuple meurt par faute de connaissance. Eti taifa langu lina potea sababu ya kutojua. On l'a appelé à quel âge mes bien-aimés? Abraham aliitwaka kwa umri gani? Combien? 75. Miaka 75. Il est mort à quel âge? Alifariki kwa umri gani? 175. Il a eu l'enfant à quel âge? Alipataka mtoto kwa umri gani? 100. 100. Mia moja. À 100 ans. Entre 75 et 100, il y a combien? Sasa kati ya 75 na 100 kuna miaka ngapi? 25 ans de patience. 25 yani 15 ya uvumilivu. Kuko bitu byenye. Il y a des choses. Ukibisikia kiroho vile kweli Mungu anabieleza. Si vous les écoutez spirituellement la manière. Na uko wa kiroho. Est spirituel. Unasikia mazaifu inaenda. Ndio ndio. Les faiblesses même disparaissent. Unasikia ma découragement seme Mungu hakuiwake zinaisha. Même le découragement là qui disait que Dieu ne te connaît pas, ça disparaît. Unasikia bidii tena ya kuvumilia inakuya. Tu comprends même la vertu de la patience s'augmente en toi. Unasikia kupenda Mungu inapanda. Si augmente l'amour de Dieu. Jana wewe njoo ulibatizwa. Hier tu as été baptisé. Unaanza lia sema hauyapata franga. Tu commences à pleurer que tu n'as pas d'argent. Ulishatembea na Mungu miaka ngapi? Tu as déjà marché avec Dieu combien d'années? Hauyamaliza même 2 ans. Tu n'as même pas fini 2 ans dans le ministère. Na ile miaka 2 hauyapata même Saint-Esprit. Et ces 2 ans tu n'as même pas encore reçu le Saint-Esprit. Unaanza lia sema haupate wa kukuoa. Tu commences à pleurnicher que tu n'as pas quelqu'un pour te marier. Umemaliza masomo jana. C'est hier que tu as fini les études. Na ulizimaliza na uko tu na kipagani ungali na triche. Et tu les as fini, tu trichais même en classe. Ulishaamini. Et aujourd'hui tu as cru. Hauyavumilia même 6 mois. Tu n'as même pas encore patienté pendant 6 mois. Tu commences à dire. Mitajiangukia yangu. Oh, je vais tomber. Niko sa kuamini muko mikoshi. Peut-être même en croyant Dieu, il y a des choses. Njoo ule mwenzetu mzee. Voilà les messieurs là. Marié stérile, aliolewa anaitwa hana mtoto. Il a été appelé pendant qu'il n'avait pas d'enfant. Sarah Hazale, son épouse Sarah ne mettait pas au monde. Mwaka moya Hazale, miaka Ina ane Hazale. Deux ans sans enfant. Akavumilia kurafikiana na Mungu malgré que mwenye alimuita hamupe mtoto. Ils avaient patienté 25 ans. Ils avaient patienté pendant 25 ans sans enfant. Miaka makumi. Pendant qu'ils avaient déjà crié. Utapata sababu ya maanguko wapi? Où est-ce que nous trouverons les excuses pour notre chute? Moi je vois que Dieu ne me connaît même pas. Peut-être même Dieu n'exauce jamais la prière. Ou même ces serviteurs sont des faux serviteurs. Là, tu vois maintenant quelqu'un aller dans les chambres de prière. On commence à verser de l'eau de bénédiction sur toi. Et ce sont des femmes qui commencent à imposer des mains sur ta tête. Dans les chambres de prière. Et ce sont des gens qui te disent va consulter les féticheurs. 25 ans, 25 ans de patience. Conservation de l'amitié malgré le retard de la promesse. Bon, mes bien-aimés, nous sommes en 2024, n'est-ce pas? Donc c'est quelqu'un qui a été appelé à 1900 combien? 1999. Mutu mwenye aliamini Mungu, 99, akuye fika leo haya pata jibu, na nasimama. Ndiyo, étant debout. Quelqu'un qui a été appelé en 1999 jusqu'à aujourd'hui en 2024, même, il n'a même pas encore reçu la solution. Benye mu 1999, même ici, ceux qui ont créé en 1999, ceux qui étaient avec le pasteur katika hii huduma, dans ce ministère, parce qu'il était toujours serviteur et pasteur à la fois. Si nous disons qu'ils se mettent debout, c'est qu'en 1999, ils avaient déjà crié baptisé dans le vrai message.
Amen. Amen. Bangali banasima. Et qui sont encore débouchés. Naliamini naiko na requête. Et il avait écrit pendant qu'il avait une requête. Et cette requête n'a jamais été exaucée. Et il n'a même pas rétrogradé. Oui, oui. Ni PA. Donnez-moi ces gens-là. Amen. Célibataire ou à 1999. Célibataire à 1999. Nalikuwa na 25 ans. Il avait 25 ans à l'époque. Akakosa dot mpaka leo. Il a manqué la dot jusqu'à présent. Uh-huh. Montrez-moi cette personne. Celui qui est venu à 1999 dans cette église et qui n'a jamais marié, qu'il s'élève, je vais doter pour lui. Kama hapa, ici même, un célibataire. Depuis 1999, il était ici. 25 ans. Et il avait 25 ans à l'époque. Haya pata dot et leo 25 et il n'a pas encore eu la dot depuis 25 ans. J'ai même amené sur la Bible. Je vais doter pour lui et je vais supporter la cérémonie na de la fête. Naweka mkono wangu kwenye neno la Mungu, nitagaramia ndoa ya. Ile requête ndaijibia kuna fasi ya Mungu maraba. Cette requête, je vais y répondre à la place de Dieu cette fois-ci. Haiko mzee, il n'est pas là. Asimame basi. Asimame. Qu'il s'élève. Anambia pasta niko hapa, 99 niko jeune garçon. Qui me dise je suis ici pasteur à 1999, j'étais un jeune garçon. Mulisha ni achilia mpaka ça fait 25 ans. Vous m'avez abandonné il y a 25 ans déjà. Uniombea Mungu anikumbuke. Priez pour moi que le Seigneur se souvienne de moi. Qu'il s'élève. Deuxième question. Swali la pili. Fille. Une fille. Mwenye alikuwa mkanisa. Qui était dans l'église. 99. À 1999. Naiko na 25 ans. Et qui avait 25 ans. Haya olewa hapa. Et qui n'est pas marié jusqu'ici. Siwezi muoa. Je ne peux pas lakini, la marier. Mais. Akimaliza 6 mois na hapate bwana. Si elle fait encore 6 mois sans avoir un mari, je n'aurai pas Dieu. Mais qu'elle se mette debout. On va la voir. Haiko. Asimame hapa, c'est que hatu ya kuwaka na Mungu hapa. Qu'elle se mette debout qu'on dise qu'elle n'avons pas Dieu ici. Fille wa munona nef, une fille de 1999 alikuwa mwa position yetu, était dans cette position mwa kanisa, dans cette église kosa wa kumuoa, qui a déjà manqué un mari depuis 1999. Je lance le défi napana tangazo dans 6 mois miezi sita kama haolewe si dans 6 mois n'est pas marié pasteur. Je vais dire que je ne suis pas pasteur. Tutakuwa hatuna Mungu. Nous allons dire que nous n'avons pas le véritable Dieu. Mais qui qu'elle se mette debout. Na kanisa liwe kama iko. Et que l'église reconnaisse qu'elle est là. Parce que si kumina démissionné. Parce que lorsque je vais démissionner. Na semaka niliba aidiaka et je démissionne. Je serai brebis. Haiko. Mwangalie kule ngambo le cameraman est tourné. Le serviteur. Oh, batu bako wanachokea bure. Les gens se fatiguent inutilement. Abajibi wake. Ils ne sont même pas exaucés. Ma problème. Il y a beaucoup de problèmes. Oh voilà. Mitamambia neno mwakali. Je vais vous dire une chose, so une mwende kule inje. Allez là à l'extérieur. Kuko benye banateseka kuliko benye bako munyolo. Les gens qui souffrent plus que ceux qui sont ici. Amen. Dehors, il y a des gens qui souffrent plus que vous. Amen. Qui n'ont pas Dieu Mungu, et qui n'ont rien na hawana kitu, et qui seront perdus. Na watapoteaka. Ils ne font pas me montrer. Monsieur Nanionyesha. Quand croyez vous avez eu un problème. Ya kwa ulipoamini ndipo kama na shida. Comme si ce sont les gens qui souffrent parce qu'ils ont cru. Ta vile kuamini ndio inawaletea shida. Je connais beaucoup de gens qui étaient des locataires avec moi il y a des années. Ils ont chez eux. Ninajua wengi hapa waliokuwa wapangai leo wamekuwa na kwao. Et si même à cette heure je disais. Na kama ningeambia wamoja. Les gens qui sont venus ici. Qui n'avaient pas leur propre parcelle. Ambao hawakuwa na kiwanja yao wenyewe. Qui en ont eu. Ambao walizipata. Ils sont chez eux. Na wako kwao. J'en aurai. Nitawapata. Mettez-vous debout. Musimame. Wasimame. Musimame. Ne mentez pas. Nous sommes là. Parce que wongo. Dieu vous voit. Maana Mungu anawaona. Beaucoup de bénédictions. Amen. Afin que Dieu soit connu un vrai Dieu. Ili kwamba Mungu ajulikane kuwa Mungu wa kweli. Amen.
Combien on fait le mariage ici dans cette église? Vous restez debout. Mettez-vous debout. Ceux qui se sont mariés ici. Wenye walipata ndoa hapa hapa mwai kanisa wasimame. Amen. Gloire au Seigneur. Mais il y en a quand même. Wako wengi. Dieu ne manque pas de témoins. Mungu hakosake wa shuhuda. Asseyez-vous. Mukae. Et pourquoi les gens veulent vous montrer que c'est en croyant qu'on a des problèmes? Kwa nini watu wawaambia kwamba unapoamini ndipo unapata shida? Il a gardé l'amitié malgré le retard de la promesse. Abraham alichunga urafiki ngalau jibu yake likawia. Désormais, tangu leo, va chez toi. Wende kwako. Garde la foi même si Dieu ne répond pas, il répondra plus tard. Chunga imani hata kama Mungu hayakujibia, angali atakujibiaka tu. Hata kama Mungu ananyamaza. Ndio. Garde silence. Bakia na imani. Amina. Reste avec la foi. Bakia kumusimamo. Alléluia. Yesu atakukumbuka. Seigneur va se souvenir de toi. Amen. Amen, hein? Amina, amina. Pourquoi nous voulons prendre Dieu comme l'auteur de nos frustrations? Kwa nini watu watwae Mungu kama vile ndiye chanzo cha shida zetu? Pourquoi nous voulons prendre la croyance comme l'auteur des difficultés? Kwa nini kukamata kuamini kuwa ndio chanzo ya kupata magumu? Dieu ne l'est pas. Mungu haiko vile. C'est l'homme par le manque de la foi qui le devient. C'est l'homme par le manque de la foi qui devient frustré. Ni mtu kukosewa imani anakuwa mwenye huzuni. Écoutez Hébreux 6:15. Sikia wa Ibrania 6:15. Je vais lire. Nitasoma. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, wakati Mungu alipoaidia Abraham, ne pouvait jurer par un plus grand que lui. Angeweza kuapa kwa aliye mkubwa kuliko yeye. Il jura par lui-même et dit. Akaapa kwa yeye mwenyewe. Certainement. Bila shaka. Je te bénirai. Nitakubariki. Et je multiplierai ta postérité. Na nitazidisha uzao wako. Et c'est ainsi qu'Abraham ayant persévéré. Na ni hivi Abrahamu kwa kuvumilia yake. Obtint le fait de la promesse. Akafikia kupata. Kupata matokeo ya ahadi. Ayant persévéré. Akiwa ali vumilia. Mouvumilie. Patientez. Mais toi, tu as mon mouvumilie, certainement. Enfant de Dieu, soyez patient. Oui, oui. Mouvumilie. Patientez. Même si comme Mungu hakujibie leo. Même si Dieu ne répond pas aujourd'hui. Angana naweza kukumbuka. Il peut se souvenir encore de mais vous. Mais nakama hakukumbuke oui, oui. Meuenda ke mbinguni problème iko. Et même si se souvient pas de vous et que vous alliez au ciel, où est le problème? Est-ce que d'abord uko voyo peke haitoshe? Amen. Est-ce que même le salut n'est pas suffisant? Ah oui, oui. C'est suffisant. Est-ce que tu auras ce qui dépasse ce que les riches de ce monde ont eu et qui sont partis? Kupata ulimwengu na kupotea, itakufalia nini? Avoir le monde et puis être perdu, à quoi te sera utile?